une de mes passions, c'est la musique reggae. Ça fait partie de ma vie. J'écoute énormément de reggae en dehors du rugby. Je vais à beaucoup de festivals, de concerts reggae. Ça fait partie de moi et de ma culture. Comment t'es venue cette passion du reggae? Bon, c'est venu en fait, pas forcément le reggae, mais la musique. Très tôt, toute ma famille sont musiciens. Mon père, ma mère, mes frères, mes oncles, mes cousins, tout ça, en Nouvelle-Zélande. Et en fait, la musique reggae fait partie en gros de la culture maori, néo-zélandaise et de la Polynésie, du Pacifique. Bon, je ne suis pas forcément d'artiste préféré, j'en ai plusieurs. Je vais en citer quelques-uns. J'aime beaucoup Lucky Dube. C'est un artiste sud-off. On écoute énormément dans le Pacifique. J'aime beaucoup Stick Figure, qui était un groupe californien. C'est du reggae rock californien. Tribal Seeds, et après il y a beaucoup de Paris Hammond, c'est jamaïcain, c'est beaucoup de reggae love. Bon, déjà je voyage beaucoup pour aller voir les concerts, mais vraiment j'étais en Thaïlande avec l'équipe de voyage fin d'année, l'année dernière en octobre, et je suis revenu deux jours plus tôt pour aller voir justement Stick Figure qui était à Toulouse. C'était leur première tournée en Europe. Et à Toulouse, il n'y avait pas plus proche, du coup, il ne fallait pas que je le rate. Donc je suis rentré deux jours plus tôt pour aller voir ce concert avec Kane. Voilà. Tu as quitté tous tes coéquipiers pour écouter du reggae. Voilà, c'est ça. J'essaye quand il y en a, mais sinon j'ai fait plus de 100 concerts. Justement, je vais avec quelques garçons de l'équipe, avec Greg, Minga et Kane. Il y a un festival qui s'appelle le Reggae Sans Ska à Bordeaux. Je conseille à tout le monde d'y aller voir. Et ça dure 5 concerts de 3 jours. Et en fait, je vais assez souvent avec eux. Donc on a des chances de te retrouver là-bas cet été? Si on joue pas, oui. Et si on joue à la maison, le samedi, je pense que j'irai le dimanche. Justement avec Charles aussi, parce que Charles écoute beaucoup de reggae. Charles et les autres garçons. Ouais. En parlant des autres garçons, on va leur demander ce qu'ils écoutent. Ouais, il n'y a pas de souci. Greggy. Hey Greggy. Ça pousse. What's up man? T'écoutes quoi? Le buzz mec. Jack Johnson. Banana Pancakes. Ah oui, la buzz. Ah oui, la buzz. T'aimes ça? Go outside. But baby, you hardly even notice when I try to. Oh Woodbomb. Hey, ça va? Ouais, toi. Qu'est-ce que t'écoutes comme ça? Oh, j'écoute le country. Ah oui? Ouais, j'aime bien Garth Brooks. C'est Shameless. Well, I'm shameless when it comes to loving you. I'll do anything you want me to. Hey Charlie boy, t'écoutes quoi comme ça, mec? Oliver S, Do Your Thing. Voilà. Yo. Qu'est-ce que tu écoutes comme son? Drake, Controller. Ah oui, c'est bien? C'est le meilleur. Ah oui? Écoute. How many more days could I wait? I made plans for you.